Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On a récupéré les gros lasers, les amis, enfin, c'est pas trop tôt, grâce au VPN, du coup je peux me connecter. On a pu récupérer les gros lasers, donc ça fait plaisir. Enfin, ces fameux gros lasers que j'ai pu récupérer. J'espère qu'il y a du monde sur les maps. Certaines personnes ont dit qu'ils pouvaient de nouveau se reconnecter sans VPN. Pour ma part, j'ai essayé, ça ne marche pas malheureusement. Donc, on va voir si c'est vrai. On va voir s'il y a plus de personnes qui sont connectées sur les maps. Personnellement, je suis pas sûr. On va se faire une petite inva. On va voir combien de temps ça peut durer cette inva. À partir sur 10-15 minutes max. Mais j'espère qu'on aura un peu de gogo, quelque chose à se mettre sous la dent quand même. Parce que sinon ça risque d'être long. On va voir tout de suite sur les grandes maps. Pour ce qui est des points de recherche, d'ailleurs il me manque plus que le calibreur 5 sur 5 à mettre. Et là après je serai à fond. Alors est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a un MMO là, parfait. Un MMO qui se balade sur les maps ici, ça va, c'est cool. Est-ce qu'il va revenir là? Des fois il y en a qui reviennent juste ici. Non, qui va revenir au popo peut-être? Non plus. Donc il n'y a personne en 2-3. D'habitude à cette heure-ci, 20h, il y a pas mal de monde en fait sur les maps en 2-3 ou autre. Là c'est un peu vide. C'est dommage malheureusement. J'espère qu'on va pouvoir trouver autre chose vite fait. Alors sur la 2-4, est-ce qu'on va trouver quelque chose sur la 2-4? Déjà il y a quelque chose au popo, il y a du rouge là. D'accord. Visiblement ça tape un peu là. Oula. Est-ce que j'ai ma tank qui est rechargée? Oui. De toute façon, le spectrum, il va sauter le popo, ça sert à rien. En plus, c'est moi qui risque de crever. C'est moi qui risque de crever, donc c'est pas forcément un bon plan. C'est quoi? C'était un. Ah non, c'est un mémo qui est pop de l'autre côté. Est-ce qu'il va me suivre, lui, sans son pote? Je suis pas sûr. Il y a pas mal de mémos qui sont sortis, d'ailleurs. Ça, c'est plutôt sympathique. Il y a un fufu par là. Je suis bien fufu quelque part. Il y a une caisse, elle a pas été prise, cette caisse? Déjà en cours de ramassage. Ah ouais, c'est le fameux bug qui fait que vous ne voyez pas ceci. Alors est-ce que je peux t'attaquer toi? T'es hors de portée malheureusement. Ah ça y est. Là, est-ce que tu vas venir du coup? En fait, je peux lui mettre un tir et après c'est hors de portée. Ça se passe comment là, en fait? Wait. Ah ça y est, il m'attaque. Bon, ça lag quand même un peu les serveurs. Hein. On va pas se mentir. C'est pas le top du top. En plus j'ai plus ma tank parce que je me la suis fait tuer juste tout à l'heure. Il va pouvoir me sab et tout à fond, c'est pas cool. Pourquoi il fuit comme ça le combat? Ah, j'ai pris une ralentissante. Est-ce que je vais l'avoir? Non, c'est bon, ça devrait le faire. Son pote est parti. Non, c'est ok. Voilà, ça c'est bon. Est-ce que son pote va revenir maintenant qu'il a dû sûrement se faire réparer ou autre? Il a dû de revenir à tous les coups, non? Même pas. Salut. Salut, c'est pas qui tu es, mais salut. Bonjour à toi. Il y a des gens, ils arrivent à savoir que je suis connecté, je sais pas comment ils font en fait. Je devine assez facilement. Oh là. Alors lui, je l'ai eu vraiment parce que le démoneur m'avait tapé dessus. Et ça doit être un vent-vent, je sais pas. Je suis bien fait niquer là. C'est pas grave. Est-ce qu'il y a l'autre qui est revenu du coup? C'est un MMO, Unit Speedy. Ah, il est plus là. Ça bouge beaucoup en 2-4, hein, la vache. Plus je ne suis plus premium, pour rappel, vous voyez, je n'ai plus accès à la deuxième barre, donc c'est un peu le bordel. Je pense que si déjà je mettais ces roquettes là et ces roquettes là pour absorber du book, ce serait déjà un petit peu mieux, je pense. Parce que là, je fais un peu tout à l'arrache. C'est pas le top du top. Allez, on coffre, on va tenter ce coffre. Allez, qu'est-ce qu'on va voir sur ce fameux coffre? Attention, verdict. Ah, super. 90 pelleté 30-30, 348 munitions X3. Et un peu de xénomite, c'est super, c'est génial, ça me fait une belle jambe. Alors, on va espérer trouver un peu plus de monde. Ce serait pas mal. En plus, je crois qu'il y a encore le démoneur ou pas? Je ne sais plus. En vidéo, désolé. Voilà, ça, il comprend que j'ai pas le temps de répondre. Là, il y a un petit machin. Bon, allez. Pas grave, pas de pitié, un vaisseau est un vaisseau, un rouge est un rouge. Plus là. Douf le tueur. Oh, la config papillon de la mort. Ah, je crois que j'ai fait le con. Je crois que j'ai fait le con parce que je vais mourir. Je crois que j'ai fait le con. Je crois que j'ai fait le con. Bah oui.
crois bien que j'ai fait le con, oui. Ah non, mais c'est quoi ça? Du coup, si j'y vais, je meurs en fait. Parce que là, lui, il a plus de config que moi. Donc c'est mort, c'est dead. C'est soit je le tue dans la seconde et ça passe, donc on va mettre le X6. Je il va se réparer, s'il est premium et tout, c'est même pas la peine. Oh le. C'est passé! Ah! Oh Bon, malgré les lags, on a réussi à mettre l'autre config. J'avais l'IEM de dispo aussi. Oh ouais, bah oui, c'est sûr. Oh bah c'est sûr, c'est facile. Hein. Quand j'ai plus de vie, très facile. Pourrais-tu m'MP quand tu auras fini? Bah non, parce qu'en fait, si tu veux, je jouerai plus, donc. Ah merde, c'est vrai. Oui, c'est désolé, je répare à la base du coup, parce que sinon je paye les repas. Bah non, parce que de toute façon, je vais pas rester, donc je risque pas de te MP, malheureusement. Après, j'étais au prom, ça va, les gros lasers, ça se sent quand même, il y a moins de miss et tout, c'est plutôt sympa. Bon, j'ai pas kiffé le MMO qui m'a terminé à la fin. Attends, on va faire ça sera plus rapide. Ça. On va tourner en 2-4, il y a l'air d'avoir pas mal d'action. J'essaie de rechoper ce MMO là qui m'a buté. Qui m'a buté assez méchamment quand il me restait 4000 PV et 120 000 de book. C'était pas très gentil ça. Je vais essayer de voir ça. Alors, on a atterri ici, config book est rechargé. Après, c'est vrai que vu que j'ai plus la deuxième barre, en fait, je peux plus switch sur les configs. Enfin, il faudrait que je refasse cette barre là, mais le problème c'est que là j'ai l'essentiel. Donc, si je rajoute des formations, c'est un peu le bordel. Du coup, on va laisser les formations ouvertes. On ne sait jamais, ça peut être utile. Et on cherche ce petit MMO qui m'a buté tout à l'heure quand j'avais 4000 PV. Où il est? Où est-il le petit? Il y a pas mal, je sais pas pourquoi ces gens ne les font pas. Et faites les démaneurs escortent les gens, ça rapporte 550 000 XP. Ne crachez pas sur ça. Alors là, il y a quelque chose. Là, il y a un rouge, visiblement, qui est en train de ramasser quelque chose. Voilà, on l'a eu. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est sûr, en fait, je suis sur les. Depuis tout à l'heure, je suis sur les roquettes ralentissantes. Très bien. Ah, je crois que j'ai fait le con. Oh bah il a plus de vie. Oh la vache. Il va s'en sortir parce qu'en fait j'ai fait trop le con. Je suis parti dans l'autre sens. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis puant. Oh. Honte à moi, sérieusement, honte à moi quoi. J'avais juste à le finir. Et juste ça, j'avais. Je sais pas pourquoi en fait j'ai fait un petit tac-tac switch en arrière et du coup ça m'a fait perdre tout mon temps. Et j'étais baisé. Du coup, bah bien joué à lui, il s'en est sorti, hein. Mais j'ai fait de la merde. Très clairement, j'ai fait de la merde. Je suis pas au CEPROM en plus. C'est vrai que vu que j'ai placé tous les points de recherche, c'est assez compliqué en ce moment le CEPROM. J'espère qu'on en aura pour demain, pour l'invas du samedi, et pour pouvoir vous faire des vidéos pour la semaine, justement. Auquel cas, si j'en ai pas, on commencera les vidéos sur l'Amérique Global 5. N'hésitez pas d'ailleurs à passer level 12, bien sûr, hein. Petit rappel à vous, c'est toujours pratique pour moi de récupérer plus de choses. Alors ça c'est un Lord Akia. Pas grand monde, pas grand monde. Là il y a quelque chose. Non, c'est toujours un Lord Akia. Assez étonné quand même. Ça bougeait beaucoup tout à l'heure la 2-4. Et là ça m'a l'air vide. On va retourner un peu sur la 2-3, voir s'il y a quelque chose en vue, s'il y a quelque chose d'intéressant. J'ai assez de deck pour ce Taegis là que je l'ai. Je l'ai complètement loupé. J'ai fait l'abruti total. Est-ce qu'on aura plus de chance un peu? Parce que vous pouvez constater quand même que les maps sont vides. Donc je sais pas si je vais record des vidéos demain si les maps sont aussi vides que ça. C'est pas top top quoi. J'ai celui à 145, je sais pas trop. Bref. Ah, vous avez vu aussi tous ceux qui font le Black Friday, t'as vu? Vous pouvez. Moi, je vais pas te péter, je vais être sympa. Vous pouvez acheter des vaisseaux moins chers. Avec le pack avantage, ça fait moins 45%. Toujours pareil. Offre pas du tout intéressante d'ailleurs. Tous les vaisseaux sont disponibles aux enchères actuellement. Donc, ne vous faites pas avoir avec ça, bien sûr. Enfin, c'est mon conseil. Après, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Hein. Ça, c'est clair et net. Alors, il y a un Rex. S'il y a un Rex, ça veut dire qu'il y a quelque chose par là. Obligatoirement. Il retourne souvent vers son maître. Alors, Speedy. Il y a forcément quelque chose. Voilà. Allez. C'est toi tout à l'heure en plus qui m'a pété quand j'avais plus de PV. Oui, c'est exactement ça. C'est bien toi. Quand je n'avais plus de PV, pardon, tu m'as pété. Exactement. Bon, ça, le Venom, c'est pas très très utile.
Voilà, hop. J'ai vite enlevé. Enfin, le Venom, ça servait même à rien. C'était un peu de l'over. L'overextend, tout ça, de prendre. De mettre l'IEM, parce que dans tous les cas, il allait péter. Donc. Voilà, on a notre revanche sur le mec qui m'a pété quand j'avais 4000 PV. Ça fait du bien, voilà. Je peux insulter les gens, en fait, j'ai joué peinard. Tranquillement. Ah bah tiens. Et franchement, si tu regardes cette vidéo, je n'ai absolument pas d'autolock, mon pauvre, mais. Là, tu as juste pas eu de chance. Il répète. Désolé à toi, hein. Tu pourras regarder à travers cette vidéo si on m'accuse d'autolock. Je ne l'ai pas. Mais c'est vrai que c'était tendu. Alors là, il y a un EIC ici. Un unit, bien sûr. Hein, les units. Les clans, le clan multifirme par excellence. Hein, un des meilleurs. Alors, est-ce qu'on va avoir quelque chose? Vous voyez, ce get gogo avance pas beaucoup quand même. 650, 750, il m'en manque 100. Je pense que la prochaine vidéo, les gars, ce sera au Palladium. Désolé d'avance. Mais là, trop. J'ai trop envie de faire du gogo là. Parce que là, je vois quand même que les maps sont assez vides. Hein. Malgré ce qu'on m'a dit que ça marchait, je suis un peu dubitatif. Hein. On me dit que ça remarche. J'y crois pas des masses, moi. C'est assez chelou. Par contre, il y a un truc que je constate, c'est que j'ai utilisé. Ah tiens! J'ai utilisé l'envoi immédiat avec le VPN, ça m'a pas décompté l'URI. Ah, intéressant. Oui, parce que j'ai utilisé donc le. J'étais obligé de me log avec le VPN. J'ai envoyé mon CPROM et mon truc et ça m'a pas enlevé de l'URI. Tiens. Pas trop mal ça. Est-ce que ce serait un bug enfin à notre profit pour une fois? Qui serait pour les joueurs et non pas pour Deo? C'est plutôt pas mal. Alors. Le FR4 est vide, sérieux, ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, le FR4 est vide, tout à fait. Après, déjà que les gens n'arrivent pas à se connecter, que le serveur est pas très populaire. Enfin, niveau popularité, il a beaucoup baissé. Donc c'est vrai que c'est un peu limite. Mal quand tu vois le chat, tu comprends pourquoi c'est vide. Ah bah surtout, enfin, un des meilleurs quoi, ceux qui parlent avant, juste regardez-vous avant de parler dans le chat, parce que des fois. Bref, on passe. Tu as eu combien le temps d'avoir CB? Pff, c'est vrai que le niveau du chat est pas très élevé parfois, on va pas se mentir. Le niveau du chat laisse à désirer, les amis. Il y a des fois, il y a des discussions très. Ah, super. Monster, parle pas parce que si l'autre te vire, tu retournes à l'état full basique. Oh yeah! Ça, c'est de la menace, les gars. Oh yeah, oh yeah. Bon, sinon, on va peut-être essayer de trouver du gogo, non? On va aller switch, tiens. J'ai envie juste pour la fin d'aller voir en 2-6 s'il y a quelque chose. Dar the best. Je suis pas sûr que les Dar ce soient les meilleurs. Hein. Pas sûr du tout, moi. Les plus arrogants, ça peut-être. Mais les plus sûrs, je sais pas. Sauf certains Dar. Certains Dar sont sympas. Notamment, il y en a un que je jouais avec avant qui s'appelle Knight. K2000 actuellement sur le jeu, lui est sympa. En fait, on va pas tous les mettre dans le même panier, mais une majorité sont assez bêtes. On va dire ça comme ça, pour pas être méchant. Comme à l'époque, un petit peu des WAE, si vous préférez. Attendez, merde! Un démaneur à pop en intro, c'est là où il y a du monde. Putain, quel con. Ah là, je pense que j'ai assez pu en latence pour un petit moment en plus. Ah shit, il y avait le démaneur, ça veut dire qu'il y a avoir du monde. Quoique là, il y a peut-être quelqu'un. Ah ben voilà. VO Mercato, machin, bidule chouette, bref, la totale. Il va pas aller sur la base? Si. Oh non, je déteste ça. Oh, je suis deg. Chaque fois, je me fais avoir par ça, putain. Pff, mais quel con. Allez, je suis mauvais, sans déconner, quoi. Je le pétais 100 fois. My bad, my bad, my bad, my bad, my bad, my bad. Voilà, de toute façon. Tu vas sauter le popo, bien entendu. J'ai hyper mal joué, je suis puant, n'est-ce pas? En fait, j'ai cette sale manie dès que les gens, en fait, je les suis. Tac, je m'avance un peu plus qu'eux, et hop, ils ont juste à switcher dans l'autre sens, et puis terminé, quand je me fais jambon. C'est pas cool, ça. C'est pas cool du tout, du tout, du tout. Je peux pas de jump en 1-3, donc voilà. 1, c'est toi le nul, 238 000, je fais, tu loupes un petit screen. Bah ouais, 238 000, c'est possible. Hein. Réduction sur les halls de hangar, j'hésite. Ah tiens, d'ailleurs, je devais vous en acheter un hall de hangar. C'est vrai ça. Pour pouvoir vous faire les vidéos du mois de décembre.
Si une réduc, là, à la limite, ça vaut le coup, mais pas du riz. C'est pas moi qui vais mettre de l'uri dans le jeu actuellement, vu comment ça bug. Donc on va essayer de finir cette quête gogo assez rapidement. Je pense que de toute façon, le hangar, ce sera toujours en promo. Sur certains, c'est un des seuls trucs qu'ils peuvent mettre en promo tout le temps. Donc ça va aller. Ah, la CPU est disponible. On va essayer de jump du coup. Ça fait un 3. Ça fait un 3, 3, 4. Un 4. On va essayer de voir en 1-4 s'il y a le démaneur ou pas. S'il y est, ça veut dire qu'il y aura peut-être potentiellement du rouge. Admettons. Donc du coup, on peut essayer. Parce que j'ai envie de péter des gens sur le démaneur. Oui, tout à fait. Je suis une salope. Alors, il n'y a plus le démaneur malheureusement. Il n'y a plus le démaneur, mais il y a beaucoup de rouge là. Ah. Ça fight pas mal là. Il va sauter? C'est une blague. Il va pas sauter. Si, il a sauté. Oh, les lags, please, quoi. Ah, il pique un peu quand même. Hein. Il pique un peu, il pique un peu. Il pique un peu. Alors, est-ce qu'il va revenir directement ou pas? C'est la question, ça c'est possible aussi. Non? Je suis plus en combat là, please. Voilà. Alors, il piquait pas mal. Oh, j'ai récupéré le titre terreur du Phoenix. D'accord. Même pas vu, sorry. Ah, quel boulet. Ah, c'est juste qu'en fait ça bug tellement. Ah oui, je tourne à 15 FPS sur ce démaneur. Ah oui, d'accord, effectivement, oui. C'est pas cool du tout. Alors, est-ce qu'il y a du monde? Espèce Warrior. Je veux pas te buter, je suis sympathique. En fait, on a récupéré Terreur du Phoenix, j'ai même pas vu. Mais quel boulet, quel boulet. Je fais même pas gaffe au titre. C'est toi qui m'as attaqué tout à l'heure. J'ai envie de te péter quand même. J'ai envie de te... En plus, je sais que tu regardes mes vidéos parce que tu les as déjà signées une fois. Et je vais te laisser. Il faut vraiment que je trouve quelqu'un. Lui, il me plaît bien, lui. Il est plutôt pas mal. Je vais me faire avoir encore par ça. Voilà, non, ça va. Bon, est-ce qu'on a quelqu'un d'autre du coup? On a du EIC là. Est-ce que ça saute le popo ou pas? Est-ce que ça va sauter le popo ou pas? Alors, si le petit MMO saute, je pense que le EIC saute aussi. Ah ouais, mais non, t'aurais pas dû sauter en fait. Voilà. Oh bah là, je vais crever. Claire, je vais die. Ah, j'ai plus de merde. Oh là, my god. Je vais crever. Ah, je vais crever, je perds le titre. Merci, Baron Samedi de... Vous avez vu ça un peu? Baron Samedi, en fait, qui aide le MMO, ça c'est cool. Je pensais qu'il allait m'aider, en fait. Je me suis dit, allez, un vru, il va me sortir de là. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Très bien, très gentil à toi. Et il me retape en plus, Baron. Mais c'est une blague ou quoi? C'est quoi ce type? Il est sérieux ou ça se passe comment lui? What the fuck quoi. Ils sont contents, ils sont deux, le vru joue avec le MMO, voilà, c'est la fête. C'est super, c'est génial, on s'éclate. C'est la grande extase. Ah bah bien sûr, il arrive à Morlock. Bah oui. Merci Baron Samedi. Bonne mentalité, félicitations à toi. Bref, voilà pour ce qui était du coup de cette petite vidéo avant. On a récupéré le petit terreur du Phoenix, mais pas pour longtemps, j'ai envie de vous dire. J'ai complètement zappé que j'avais plus de méga bombe. Et dit même, ça part méga vite en fait. Et du coup, vu que je fais plus de GG, que j'ai pas pu me connecter pendant X temps, que j'ai pas pu jouer, ce qui fait que c'est un peu les... j'ai un peu les batteries à plat. Donc il va falloir essayer de recharger tout ça pour vous faire du fight convenable. Bon, globalement, petit imba avec un petit peu de monde. Hein. Tu m'as eu, pourquoi je buguais? Tu remets le titre en jeu en dudu? Je l'ai plus, vois ça avec Alien et Baron Samedi. Voilà. Voilà. Pour ce qui est, du coup, voilà, on a récupéré un titre, mais très très faiblement en fait. Et puis je m'attendais vraiment à ce que le unit m'aide, en fait, et pas du tout. Il préfère aider les MMO, donc c'est un peu dommage parce que là. Il n'avait pas de pacte avec le MMO, si vous voulez. Il était dans un clan. Excusez-moi, le MMO n'avait pas de clan, donc du coup, je sais pas. Je sais pas trop. Voilà, un peu dubitatif quand même sur cette fin de vidéo, j'ai envie de vous dire. Là, vous voyez vraiment que le FR4 va mal. Et c'est pour ça que l'aventure sur AG5 va me faire du bien. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.